Eh bien salut à toutes et à tous, il est 19h, comment allez-vous? Tu te sens bien ou quoi là? Bof, bof, bof. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo jeu d'horreur avec BX Snow qui adore les jeux d'horreur. J'aime pas du tout les jeux d'horreur. Et pour cause, aujourd'hui nous allons faire normalement 5 jeux d'horreur indépendants, dont un qui a été fait par un abonné. Ah ouais, 5. C'est passé là. Je te propose qu'on commence par Héritage Chapter 1. Et justement c'est le jeu qui a été fait par un abonné. Ok. À savoir Pink Ducky. Donc si tu passes par là, Pink Ducky, gros big up. Et avant de lancer le jeu du coup, alors ce jeu n'a pas été fait pour moi bien sûr. Ça a été fait pour un concours de jeux d'horreur. Alors je m'y connais pas trop mais voilà. Et bah c'est parti, wake up. On se réveille, tu veux jouer ou je joue? Non, tu joues. Il y aura des jeux où tu joueras, hein? Non. Ah si si. Non. Il y a un jeu en particulier que je connais et qu'elle a dit, eh c'est quoi ça? Du coup, ce sera toi qui joueras. J'en ai pas très envie, hein. Très bien, c'est G-Eazy. Hello Bryce. Mais oui, regarde la télé maintenant. How are you feeling? Answer with the buttons. Yeah, oh, c'est trop... Ok, ça va être trop bien. En fait, on va passer un interrogatoire. Ah, mais oui! Il y a un gars de la SWAT, là, du SWAT. Bah, nickel. Bah, du coup, je vais m'asseoir. Do you know why are you here? Ok, apparemment, on aurait buté quelqu'un. Bah, mais du coup, je pense que non. Enfin, moi, je dirais non. Ah, on pense que ouais, vous avez commis un crime. Pour avoir l'héritage de votre grand-mère. Mmh. Oh, c'est vraiment sale. Et pourtant, ça se fait, hein. We are going to ask you some questions. Allez, vas-y. Hein? Oui, il faut les convaincre qu'on n'est pas le... Le... Ouais, meurtrier. C'est gentil de nous expliquer ça parce qu'on allait justement se mettre dans la merde, donc... T'imagines dans la vraie vie? Si tu n'es pas un killer, tu peux le livrer. Tu peux partir avec les papiers. Oh, et si t'es le meurtrier, tu es déjà mort. Ça, c'est de la menace. La police... Ça, c'est vraiment le FBI, ça. Hein. On reconnaît. Il nous fait un peu patienter, tu vois. Mais comme on a rien à se reprocher... Oh, ils ont éteint la lumière. T'inquiète. Ah, il y a des toilettes. On va se faire engueuler, là. Ça y est. Bob. On s'appelle Bob. Dès le début, ils nous mettent à l'envers. Ils nous la mettent à l'envers. Bon, alors, du coup, on est Bob. Bah non, du coup, je sais pas. Did you like your grandmother? Bah oui, hein. C'était un excès d'amour. Ok, on avoue tout. Bah oui, monsieur, je suis sûr. Là maintenant, c'est BXNO qui joue parce que ça lui fait pas peur là. Est-ce que tu as des hobbies? Bah oui. Ma grand-mère, par exemple. Do you remember yesterday? Non. Do you want to be rich like your grandmother? Bah ouais. Ouais? Bah ouais. Oh, mais ouais. Soyons honnêtes. On va pousser le vice. Killing's bad. Ah, bah quand même. Oui. Bah oui. Est-ce que tu as déjà commis des crimes? Non, non, attends. You have commit any crime, ça veut dire que tu n'en as pas fait. Donc il faut dire oui, je n'en ai pas fait, tu vois. You have commit any crime. Ah oui, bien vu. Oh l'enculé. Non, bah non. Ah oh, les bâtards. Ouais, c'est vers là en tout cas. Yes, bien joué. C'est abusé. Y'a plus personne. Eh, hey, tu joues hein, maintenant, c'est toi qui as voulu jouer. Hein. Mais y a rien d'effrayant. Ouais, ouais. Elle va juste être derrière nous, tu sais. Il y a des traces de sang.
Ouais, non, mais j'aime pas trop en fait. Do you feel safe? Est-ce que tu te sens en sécurité? Absolument pas. Attends, éteins cet écran là. On peut plus éteindre. Ah si. Et maintenant? Toujours pas. On reste honnête ou pas? Parce que si on lui... Si on met oui, il va nous faire jouer un morceau. Du coup, bah non. Oh les bâtards! En gros, il faut qu'on se retourne, quoi. Tu veux te retourner? Bah vas-y, fais-le, hein. Ferme les yeux. Tu sais qu'à tout moment, il y a un truc qui ouvre la porte et qui te court dessus. Et on est vraiment... Mais c'est bon, Marion, c'est bon, c'est bon. Et on est vraiment des flippettes, hein. Vraiment, j'aime pas les jeux d'horreur, je t'ai dit. Y a quelque chose, Bibou. Oh putain! C'est pas nous! Il bouge! Bah il bouge, viens, il on l'aide. Bougé. Faut l'aider? L'interrogatoire est fini. You are not the killer. Vas-y, je mets yes. Prends les documents et pars. Voilà. Et maintenant on va se faire poursuivre par un truc, wesh. Bah non. Regarde, je fume. Faut partir. Attends, on va prendre notre temps. Moi je trouve on est bien. Ah, y a une porte. Depuis quand il y a une porte ici? Non mais faut vraiment partir. Je peux pas poser cette clope là. Oh, je m'attendais vraiment pas à ça. On a fini le jeu, hein. C'est le chapitre 1. Ah! Donc ça veut dire qu'il y a un chapitre 2. Putain, je me suis flippé dessus. Hein. Tu m'étonnes. Alors voilà pour les crédits, tiens. I'm from France, il a 17 ans. Ah, il a 17 ans! Putain, j'avais pas capté! Et il a fait ça en 10 jours pour voilà, Scream Zone Jam. Donc c'est un truc de. Où il y a plein de. En gros, on aurait pu trouver tous nos jeux là-bas. Voilà, bravo Pink Ducky. Je sais pas si on a terminé le jeu comme il le fallait. En tout cas, je pense qu'on a évité le pire. Je pense le mieux, ce serait qu'on fasse ce jeu. Infinite Stairs. Puisqu'en fait, les amis, de nom, je suis sûr que vous êtes nombreux à vous dire « Ah, c'est ce truc-là, oui !» À la tête. Sauf qu'en fait, BXNO ne connaît pas. Et du coup, c'est toi qui vas y jouer. Et donc, bah voilà, hein, c'est ce qu'on va faire. Infinite Stair, donc escalier infini, bien évidemment. Salut. Oh merde! Oh, ça, c'est franchement ballot. Parce que du coup, t'as fait tomber le téléphone par terre. Bah ouais, bah la hauteur à laquelle. Bah ouais, mais je suis où en fait, genre? Ça n'a aucune logique, le scénario de ce jeu. Bah ouais. Bon, bah tu fais de l'urbex, quoi. Tu viens d'en bas, donc tu sais déjà ce qu'il y a en bas, y a pas de problème. Bon, maintenant, faut peut-être récupérer le téléphone en espérant qu'il n'est pas cassé, hein. Parce que quand même, il est tombé d'assez haut. Après, c'est peut-être une illusion d'optique. Parce qu'il y a le sombre. Est-ce que je peux enlever le casque, genre, comme non. Ça non. C'est de la triche, ça.
Mais c'est de la merde ce jeu. Non, t'entends pas les sons, y'a quelqu'un qui te parle. Hein? Si, si, y'a. Bah, ça doit être la meuf en bas. Qui t'a parlé. T'es en train de m'arnaquer. Non, non. Mais non, mais ça va me crier dessus là. Non. Bah, de toute façon, y'a pas de porte en haut. Il faut bien que tu rentres chez toi de nouveau. Ça y est, t'as exploré un. Mais moi, j'ai au fait. Hein? Moi, je me laisse mourir de faim. Oh, vas-y. Je veux pas de chambre. Vas-y, descends à ma place. Mais descends à ma place. J'ai pas envie. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que j'imagine dans les commentaires de la vidéo. Ouais, seule la légende sait, dès le début du jeu, que y a aucune fin au truc, tu vois. Pendant que nous, on a peur qu'il y ait quelque chose et que les gens, ils savent déjà qu'il va rien se passer. Oh. Et ben voilà. Et ben enfin. Mais non, non, mais c'est sûr, y a rien. Regarde. Mais si, regarde, il se lève tout seul. Et voilà. On s'est pris un râteau. C'est tout. On s'est pris un putain de râteau. Ouais. Tu vois. Y'a pas. Putain, il est bien ce jeu! C'est de la merde! Mais c'était sûr! Alors par contre, je pensais pas à cette chute! Mais comment on fait pour sortir après des escaliers? Ah, il a fait des musiques pour le jeu! Il va y avoir un scream à la fin! Il va y avoir un scream! Il va y avoir un scream! Ouais! Tu penses? On peut même plus quitter! Un de ces bâtards! Mais quel bâtard! Je déteste. On est tellement mais parano. Ok, bravo. On est tellement parano. Ok, ok. Un génie. C'est une belle petite balade au piano. Digne d'une musique Minecraft. Ouais. T'aimes bien ? Non. Allez, nous ne sommes pas tout seuls. C'est parti. Ah, c'est ça le jeu, c'est quand on est dans la maison et tout ? Oh non, j'aime pas ça. Oh non, j'aime pas ça. Qui a une luminosité pareille dans sa maison ? Bah, quand rien va dans ta vie. Le but de ce jeu est de s'échapper de la maison en explorant et trouver les clés. Mais on n'est pas seul. Et tu auras la diarrhée qui sera update, c'est ça? C'est quoi diarrhée? C'est le journal. Ah, bah sinon on fait sans lampe de poche hein. On essaie d'allumer la lumière. Allez, on monte ou quoi? Hein? Bande de bâtards. Ah, ça prévient pas, hein. Je pense que c'est là qu'il faudra sortir. Ah, mais on revient à la cuisine, regarde. Bonjour, madame. C'est marrant, c'est tout dans le même tableau. Vous êtes bizarre quand même chez vous à voir des décorations comme ça, là. Elle s'est fermée toute seule, hein. Et là, c'est le drame. Là, regarde par terre. Ah ouais. Mais non, mais c'est bon là. Ça me rend ouf, c'est je sais pas courir. Attends, il y a la diarrhée qui s'est mise à jour. C'est quoi ce bruit? C'est la pluie. Ah ok. Ah, c'est la télé. C'était pas la pluie. Qui a cassé encore des verres? Les femmes hystériques, j'ai assez donné. Oh là! Je suis toujours avec toi. J'ai dit les femmes hystériques, j'ai assez donné. Ah voilà, bah au moins j'ai la clé. Stylé la chambre. Ouais, t'sortec, hein.
Pourquoi tous les rideaux sont fermés? Parce qu'il fait nuit. Ah ouais. Regarde, c'est quelque chose dans la table de chevet. Bah, je peux pas ouvrir. Ah. Soir. Bah, là, il peut rien se passer. Là. C'est incroyable. Une autre clé. Allez, ça c'est pour la chambre en haut. Comme par hasard. Bah, je vais peut-être ouvrir la porte, non? Si tu veux. Bah, s'il faut faire quoi en fait? Bah, en fait, faut soit aller à la porte parce que ça vient de sonner. Soit en haut. Soit il faut monter en haut dans la salle de bain. Moi, je serais presque rassuré d'ouvrir la porte. Ouais, ça y est, mais je sens le screamer arriver, quoi. Mais y'a personne, de toute façon, regarde. Et de toute façon, on peut pas l'ouvrir, en vrai. Ouais, allez. Oh, oh, oh. Jamais personne fait ça. J'avoue. Trois fois le même tableau. Hein. Prends la clé et casse-toi. Voilà, c'est sûr. Ah, c'est pour la porte, il faut partir. Vas-y, dépêche-toi, mais où? Tu ne peux pas survivre. Je ne suis pas le bad guy. Hey, Billie Eilish! C'est Billie Eilish! Ah! Le bad. Stay with me. Oui, je ne veux pas te quitter non plus, bébé. Allez, moi non plus, je t'aime. Allez, allez, adieu. Adieu. Je sais pas où je vais. Ça va? Moi, ça va. J'ai pas trop stressé. Ça va, il fait pas trop peur, ce jeu. Hein. C'est super cruel, ce qu'on a fait. Pourquoi? Bah, elle voulait juste qu'on reste avec elle. Ouais. Bah, j'ai envie de faire pipi, moi, donc elle va se foutre, genre. Regarde, c'est trop beau la fumée. Tu préfères commencer maintenant? Il nous reste plus que deux jeux. Ouais. Tu veux qu'on commence par Tomorrow the Game ou Inside? Oh. 50 minutes Inside de Nico Saliagas. Alors, dis-moi, ma belle, tu préfères quoi? Je m'appelle Nico Saliagas. Ouais, bah, écoutez, on n'a pas gagné les deux étoiles, ouais, bah, moi, c'est Didier Deschamps. Et bah, c'est parti pour Inside. Tu veux jouer? Fils de pute! Bah ouais, c'est une scène de crime. Ok. On est à l'hôpital. Et on est au bout de notre vie. Dans un labo, ouais. Ah ouais? Non, on est à l'hôpital là. I need to feed the fucking energy. This energy Bluetooth drink while control of my body. I need to collect blood. I need to feed energy. Ok, c'est. Alors je sais pas c'est qui, mais il veut du sang quoi. Hein. C'est un vampire. Hein. C'est horrible. Fridge door. Oh putain, tu fais plus ça! On a du sang, c'est ça. Ça m'aurait étonné. Là-dedans, on a évidemment une poche de sang. Je crois pas. Non. Et là, ça devait être notre sang qui allait arriver là. Je pense, non? Ah bah évidemment. Toujours plus. Faut donner ça à l'établissement français du sang. Est-ce que celui-là tu peux prendre? Non. Eh bah voilà. Les clés pour se barrer. Bon, si on doit bien se barrer, c'est qu'on s'est fait kidnapper, ça c'est clair. Oula. Ok, allez. I need to switch on the power. Plus jamais. Les interactions sont trop rapides. Ça me fait beaucoup trop peur. En fait, tu peux te planquer dedans, Booby. Ouais. Oh non, j'aime pas ce truc. Comment on fait pour marcher moins vite? Et on fait masse bruit. Et on voit s'il y a un truc qui vient ou pas. Bah, tu l'as entendu? Tu l'as entendu? C'était. Non, parce qu'il y a une touche pour faire du bruit, donc si ça se peut, c'était nous. Hein. Ah ouais? Oui. Non, mais moi, t'as pas capté que je me suis vite réfugié. Si.
Mais je me suis dit, t'as fait du bruit et tu t'es rendu compte, du coup, t'es vite caché. Ah non, moi je pensais que c'était derrière la porte, le mec qui arrivait. Alors c'était quoi la touche? C'est... Ah ouais, d'accord. Ah. Donc la scène se reproduit pour d'autres personnes. Donc c'est bien un gars, il bute des gens. Bah viens, on va lui enculer ses grands morts en fait. Voilà, je me lève. On gonfle les pecs. Tu vois? Voilà, on gonfle les pecs. On fait un petit... Voilà. Puis on va lui niquer. Eh oh! Eh! Eh bouffon! Vas-y, on arrête. Le jeu il commence comme ça direct. Ouais, y'a pas de menu. Et c'est un clown. Genre il rigole et tout. Oh non, j'aime pas les jeux avec des clowns. Mais si. Oh, c'est trop bien. On va trop s'amuser. Oh, c'est stylé. De l'argent. Je suis sûr on pourra lui donner de l'argent. On va s'acheter des trucs au distributeur. Ah ouais? Ah, tu dis ça pour rire? Ah. C'est trop bien. Ah ouais, regarde. J'ai acheté un truc. Et ben voilà. C'est pour acheter des tickets. Ah, c'est pour aller là. Non. Voilà. Mais c'est génial. Tu crois qu'il nous en faut plusieurs? Non, un seul ça suffit. Ouais. Ok. C'est trop drôle! Ce jeu est drôle! Non! Ah, il faut le faire écraser! Écrase-toi! Ah! Ah, c'est marrant. Tu voyais les vidéos caméra cachée de gros enculés? C'était aux États-Unis, je crois que ça se fait encore. Mais un peu moins. Avait... Bah, tu te rappelles les clowns tueurs? Ça te fait pas penser aux clowns tueurs? C'est exactement les clowns tueurs. D'ailleurs, les frérots, si jamais. Parce que je sais plus si c'est encore d'actualité les clowns tueurs et tout. Au moment où cette vidéo sortira, ce sera trop tard. Mais quand vous rentrez dans votre bagnole, enfermez-vous directement. Hein. Non, genre, qu'il fasse jour ou nuit, enfermez-vous comme d'hab directement. Faites ça toute l'année. Sans rigoler. J'espère que tu le fais. J'espère que t'as ce réflexe d'ailleurs. Allez, à toi. Si. Allez, Bouvier, on rigole. Pour la dernière. Ok. On arrête. Et ben voilà les amis, on espère que cette vidéo vous a plu. T'as kiffé? Et ben j'espère qu'elle vous a plu hein, parce que moi... Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Encouragement pour BXNO. Et je fais genre et tout, mais encouragement pour moi aussi parce que je me suis chié dessus et je suis pas allé au bout des choses. Ah. Donc voilà, et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'est bientôt Halloween, je ne sais pas quand cette vidéo sortira. Mais ce sera un jour de la semaine dans tous les cas. Alors d'ici là, à demain. Ou peut-être pas.